Et pour tout de suite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oui, on va faire un tour du côté du docteur Le Guerrier qui est avec nous. Comment ça va, docteur? Docteur Paul Le Guerrier, ça va bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, très bien. Expert donc à la Direction régionale de santé publique. Et puis, c'est toujours ce virus qui inquiète la santé publique. Mais j'ai tendance à dire que c'est du côté des jeunes. Mais dans le fond, c'est tout le monde qui n'a pas reçu de ces vaccins-là qui est susceptible d'être touché par le virus, pas vrai? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est un virus qu'on connaît bien, qui existe depuis fort longtemps. Heureusement, on a un bon vaccin pour se protéger contre cette maladie virale. Et effectivement, récemment, on a une petite éclosion à Montréal. Et le message principal, c'est de vérifier vos carnets de vaccination, de vacciner vos enfants. On a tous besoin de deux doses après l'âge d'un an si on est né après 1980. Mais si vous êtes né avant 1970, on présume que vous avez déjà fait la maladie, donc vous êtes relativement bien protégé. Entre 1970 et 1979, vous avez besoin d'au moins une dose, mais si vous travaillez dans le domaine de la santé, deux doses. Ah, deux doses pour ceux qui travaillent dans la santé. Oui, absolument. Comme le reste de la population qui est née après 1980. La raison, c'est une maladie extrêmement contagieuse. On dit en général là, que s'il y avait une salle de 100 personnes qui n'étaient pas vaccinées, qui étaient donc vulnérables, puis qu'il y avait un cas de rougeole qui rentrait dans la salle, il y en a 16, 16 d'entre eux qui pourraient l'attraper. Et ça, la contamination se fait par aérosol, se fait par contact, de quelle manière? Les gouttelettes, les sécrétions qu'on peut laisser sur des objets sur nos mains, mais surtout par l'air. Alors, puis la personne est contagieuse avant qu'elle développe vraiment des symptômes qui nous indiquent que c'est la rougeole. Donc, c'est extrêmement contagieux. C'est plus contagieux que la COVID-19, le variant Omicron. Donc, ça, si vous êtes protégé, puis que vous êtes en contact avec quelqu'un qui a la rougeole, il y a 90% de chances que vous allez l'attraper. Donc, c'est sérieux. Puis, ça a des complications. Quand même assez grave pour les jeunes enfants. Les groupes à risque, là, comme vous avez dit en début d'entrevue, c'est vraiment les jeunes enfants, mais aussi les femmes enceintes puis les personnes qui ont des problèmes avec leur système immunitaire, les personnes immunodéprimées. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que vos enfants reçoivent les deux doses, reçoivent les deux doses après l'âge d'un an. Au Québec, on donne deux doses de vaccin à l'âge de 1 an et 18 mois. Et il y a des personnes qui peuvent ne pas savoir s'ils ont reçu, je parle de ces Québécois venus d'ailleurs, s'ils ont reçu ces deux doses contre la rougeole. Et dernièrement, j'ai parlé au directeur national et qui a dit dans le doute, on ne s'abstient pas, mais au contraire. On reçoit d'autres doses parce que, on ne meurt pas de trop de doses contre la rougeole. Non, vous avez tout à fait raison. Effectivement, si vous avez déjà peut-être été vacciné, mais vous n'êtes pas certain, vous n'avez pas vos preuves vaccinales, ça vaut la peine de retourner pour bien être protégé, se faire vacciner. Il n'y a aucun danger. Notre corps est capable d'accepter d'autres doses de rougeole. Il n'y a aucune complication. Et Je puis, rappelle une raison pour laquelle c'est important de se faire vacciner parce que là, c'est le congé scolaire. Bientôt, c'est le printemps, l'été. Les gens vont voyager, retourner dans des pays. Présentement, dans le monde, il y a beaucoup d'éclosions aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie. Les voyageurs canadiens non protégés qui s'en vont en voyage durant ces périodes-là, prochainement, pourraient attraper la maladie, revenir ici à Montréal, au Québec, et développer la maladie et commencer à le transmettre aux personnes qui sont vraiment malades. Donc, c'est une autre raison pour bien se faire protéger, bien se faire vacciner. et je pense que c'est comme ça hein, qu'on a vu les premiers cas de COVID ici au Québec à l'occasion de relâches scolaires, justement. Hein, Et le retour de voyage, de vous avez. retour de voyage.
Alors, donc, on dit encore une fois que vaut mieux prévenir que guérir. Et je suis allé très loin avec le directeur en disant que oui, c'est une maladie à la rigueur mortelle. Oui, alors la plupart des enfants vont s'en tirer, des adultes vont s'en tirer bien, mais il y a quand même 10% des enfants qui peuvent développer une pneumonie, une otite, peuvent avoir des complications neurologiques, des complications neurologiques beaucoup plus graves, 1 sur 1000, puis le décès peut arriver une fois sur 3000. Puis rarement, il y a une maladie débilitante qui touche le cerveau, puis ça cause la C'est mort. l'encéphalite, c'est ça? Oui. Alors donc, ce n'est pas une maladie à prendre à la légère. Surtout qu'on a de bons vaccins disponibles. Docteur, à partir de quand on a commencé à développer cette théorie, à savoir que les vaccins peuvent être dangereux pour les enfants et la plupart des parents vont décider tout simplement de garder leurs enfants parce que on a vu avec docteur le directeur que effectivement dans certaines écoles de Montréal il y a jusqu'à des niveaux atteignant moins de 50% d'élèves qui ont été vaccinés dans ces écoles-là. Bon, oui. En général, à Montréal, on a dans les écoles primaires, donc en moyenne, dans toutes les écoles de l'île de Montréal, il y a un taux de couverture vaccinale qui est presque 78%. Puis dans les écoles secondaires, c'est presque 80,7%. Alors, c'est quand même bon, mais il y a des écoles qui ont atteint 95% de couverture vaccinale, puis il y a des écoles que c'est beaucoup moins que 50%. Pourquoi? Toutes sortes de raisons, socio-économiques, où les parents ont pas vu la lettre qui était dans le sac de l'école quand les équipes vaccinales des CIUS sont passées pour faire vacciner les enfants. C'est un oubli. On n'a pas eu le temps durant la COVID. Ben, on était en isolement. On n'a pas eu la chance d'aller voir son médecin. On a oublié de faire la suite des vaccins. Il y a toutes sortes de bonnes raisons. Il y a très peu de gens qui refusent carrément la vaccination. C'est la bonne nouvelle. Donc, nous, ce qu'on va faire là, dans les prochains mois, c'est vraiment offrir à la population toutes les occasions imaginables pour aller se faire vacciner. Parce qu'il y a une autre chose qui est importante de savoir, c'est qu'au Québec, on ne force pas les gens à se faire vacciner. Ce n'est pas une obligation pour l'enfant d'aller à l'école d'être vacciné. Par contre, s'il y a une éclosion dans une école, notre directeur national de santé publique a mis une politique qui fait qu'on peut exclure l'enfant de l'école s'il y a un cas de rougeole à l'école pour le protéger de ces complications graves de la maladie. Donc, s'il y a une éclosion dans une école et votre enfant n'est pas protégé, ou qu'un professeur de l'école n'est pas protégé parce qu'il refuse la vaccination, nous, on va devoir les exclure de l'école jusqu'à ce qu'il n'y a plus de cas, puis plus pour ajouter 14 jours. J'étais 14 jours après le dernier cas dans l'école. Et moi, j'ajouterais, docteur, que si on veut travailler dans le domaine de la santé, il faut montrer patte blanche tous ces Oui. vaccins-là, être infirmière, infirmier, sans avoir pris ces vaccins-là, non. Il Non. faut absolument recevoir ces vaccins-là. Ah oui, c'est crucial parce que si vous travaillez dans la salle d'urgence, puis vous êtes exposé à des jeunes patients qui viennent à l'urgence, puis vous attrapez la maladie, puis vous travaillez à l'urgence, vous allez exposer beaucoup de personnes. Nous, quand on a un cas à l'urgence, puis l'urgence est bondée, on peut se retrouver avec 100, 200, 250 personnes qui ont été exposées. Donc, il faut appeler pour vérifier ou écrire pour vérifier leur statut vaccinal et offrir un vaccin ou d'autres moyens pour protéger les enfants. Parce que les groupes à risque, il y en a trois, hein, c'est les jeunes enfants, surtout de moins d'un an, les femmes enceintes et aussi les personnes qui ont un problème avec leur système immunitaire. Donc, ça, c'est notre grande priorité, protéger ces enfants-là qui ont été exposés à un cas de rougeole. Mais aussi, notre seconde priorité, c'est de vacciner toutes les personnes qui ont été exposées pour empêcher la transmission de cette maladie-là. Et j'ai appris aussi avec mon intervenant de la dernière fois que oui, on a quand même une chance. C'est un vaccin, très bon vaccin, au point où même si on a été en contact et qu'on n'a pas développé la maladie,
et qu'on prend le vaccin le lendemain, le surlendemain, on a des chances de ne pas développer la maladie. Oui, c'est tout la difficulté pour nous d'essayer de rejoindre ces jeunes dans les délais là, de 3 jours ou une semaine après leur exposition. Travail de santé publique, mais oui, on peut protéger des enfants à risque qui ont été exposés. Alors, docteur Paul Le Guerrier, expert à la Direction régionale de santé publique de Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous exposer cette situation. Merci beaucoup. Merci en pile et je vous souhaite une belle soirée. Merci, merci. Au revoir.